Thank you.
D'Inde du Nord, qui s'appelle le rag Ansadvani, mais qui était lui aussi importé du Sud. En fait, c'est un rag au départ typiquement du Sud, et c'est des musiciens dans les années 60 et 70, comme Ravi Shankar par exemple, qui ont été se servir du patrimoine de l'Inde du Sud pour renouveler un petit peu les ragas millénaires, qui sont en fait consignés dans les Védas, donc les textes sacrés de l'hindouisme, et qui n'ont pas bougé depuis des millénaires. Voici à présent un dhun, donc de la musique semi-classique, dans le rag Mishra Kafi. Donc Kafi, c'est le rag, Mishra, ça veut dire que c'est mélangé avec d'autres rags, et donc c'est un truc beaucoup plus léger. Thank you.
Bam. Merci, merci. Thank you.
La musique indienne est très improvisée, et donc on a vraiment de jouer ce morceau-là en 6. Voilà, donc le Rajasthan, c'est une province du nord de l'Inde, avec entre autres le désert du Thar, et donc c'est un morceau typique du désert. Il faut le serpent aussi, non? Tu as pris le serpent? Ben, je crois que... Tu as encore oublié le serpent? Il est dans
Thank you.
comme on dit en hindi, ouais, ouais. Qui est mec.